Je vous propose de vous détendre d'abord avec une petite devinette récréative. Hein, j'ai toujours parsemé mes conférences de petites devinettes récréatives et personne ne s'en est jamais plaint. Alors, écoutez celle-ci. Qu'y a-t-il de commun entre les quatre mots suivants, lichen, soupière, rhubarbe et alpaga? Je vous laisse chercher. Qu'y a-t-il de commun entre les quatre mots suivants, lichen, soupière, rhubarbe et alpaga? Qu'y a-t-il de commun entre ces quatre mots, lichen, soupière, rhubarbe et alpaga? Qu'y a-t-il de commun entre les quatre mots suivants, donc, hein, que je vous rappelle? Lichen, hein, cette petite mousse grise qui pousse sur les rochers et dont raffole le caribou. Ça n'est pas du tout important pour trouver la solution à ce que je veux dire. C'est pour vous donner le temps de chercher. Hein. Donc, soupière, hein, tout simplement le récipient dans lequel on met la soupe, hein, la bonne sous-soupe. D'ailleurs, si on dit la sous-soupe, c'est qu'elle est bonne, hein, puisqu'on ne dit jamais la mauvaise sous-soupe. Hein. On dit la bonne sous-soupe à papa. Hein. C'est papa qui l'a faite. Si Pépé est encore capable de faire une bonne sous-soupe, on peut très bien dire la bonne sous-soupe à Pépé. Oh, et puis, si Pépé a besoin de l'aide de papa, on peut très bien avoir une bonne sous-soupe à papa et Pépé. Rhubarbe, hein, donc, rhubarbe, cette plante vivace de la famille des polygonacées. Je crois qu'on l'appelle comme ça parce que lorsqu'on coupe la tige, on trouve une section polygonale. Quand elle est crue, hein, quand elle est crue. Hein, quand elle est cuite, ça ne ressemble à rien. Et alpaga, donc, hein, alpaga, ce mammifère voisin du lama. Voisin ne veut pas dire qu'il habite à côté, hein, ça veut dire qu'il lui ressemble, mais il a en plus ce très beau pelage laineux dont on fait des trucs en alpaga. Hein. Lichen, donc, hein, soupière, rhubarbe et alpaga. Qu'y a-t-il de commun entre ces quatre mots? Lichen, soupière, rhubarbe et alpaga. Bon, ben je crois qu'on est tous bien détendus. Hein. Alors, je vous donne la réponse. Ces quatre mots comportent tous la lettre D, sauf lichen, soupière, rhubarbe et alpaga. Pas facile, hein?